tout petits pois, coque et verveine. La première chose qu'on va faire, c'est ouvrir les coques. Donc la veille, vous les avez mis trempées dans de l'eau un peu salée, bien les nettoyer, bien les rincer pour désabler. Donc je mets juste très peu d'huile d'olive parce que les coques vont rendre leur eau. C'est juste pour pouvoir les éclater à la chaleur. Pendant que mes coques sont en train de s'ouvrir, j'ai ma crème crue. Je vais la mettre chauffer tout doucement, aussi sans ébullition pour ne pas casser la texture, avec de la verveine en infusion. Que vous concassez grossièrement. Voilà, on va juste la mettre en infusion à feu très très doux. On va déjà aussi commencer par ouvrir les petits pois. Donc vous voyez le geste, il y a un fil ici sur le pois. C'est vraiment de l'écarter pour ouvrir le petit pois. Les petits pois, quand ils sont écossais, vous les blanchissez 15 secondes dans l'eau bouillante, bien les rafraîchir pour pouvoir enlever cette petite peau comme une fève. Ça permet d'obtenir des petits pois vraiment sans peau, complètement écossais. Voilà, je regarde à mes coques maintenant. Vous voyez, ils sont ouverts, ils sont bien gonflés, mais ils ne sont pas cuits. Donc pour décortiquer, c'est très simple, ça vient tout seul. Il faut juste sortir le coquillage. On va déjà préparer un mélange avec les coques et les petits pois. Et je vais déjà y ajouter un petit peu de verveine hachée en plus pour renforcer le goût. Et ciseler très très finement, le plus fin possible. Voilà, là notre crème est chaude et bien infusée à la verveine. On va la filtrer. On va juste faire fondre notre beurre. Ajouter le mélange de coque et petits pois. La recette du bonheur est aujourd'hui à côté du port de Zeebruges. L'artiste britannique Ivan Morrison a créé cette œuvre. Elle est composée de tubes de béton à la croisée du bunker, du château ou d'un pavillon. Une œuvre réalisée en collaboration avec la Triennale de Bruges. Avec une formidable vue sur la mer, l'œuvre Start of the Sea nous permet d'expérimenter la mer qui, nul doute, saura s'approprier l'œuvre et la livrer au public que nous sommes. Notre crème bien chaude, notre mélange de coque et petits pois aussi. Je vais dresser généreusement cette crème dans le fond de l'assiette et par-dessus le mélange de coque et petits pois. Donc cette association de petits pois et verveine, j'adore ça, ce côté riche et opulent de la crème associé à la verveine. Et on va juste finir avec quelques toutes petites pousses de verveine, comme si on ajoutait quelques petites feuilles de salade par-dessus. Voilà, tout petit pois, coque et verveine.